Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin cet après-midi, je vais pas travailler, je vais à la piscine puisqu'il fait beau et que il risque de repleuvoir après-demain, donc enfin pendant quelques jours, donc j'ai envie de profiter, de bien bronzer et tout. Et donc du coup, cet après-midi pour moi, ce sera piscine. Et je me suis dit, j'ai rendez-vous dans une heure, un truc comme ça, donc je vais pas tarder à partir. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo avant de partir et je savais pas du tout quoi faire. Je me suis dit peut-être un tag, un truc comme ça, mais je me suis dit que j'avais un peu la flemme de chercher ce que j'allais vous faire comme vidéo. Et du coup je me suis dit pourquoi pas une tenue du jour, puisque ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que j'aime bien en faire. Même si le look n'est pas du tout élaboré, c'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc hyper recherché, c'est juste ma tenue de piscine. Donc voilà, mais je me suis dit pourquoi pas vous montrer ça et puis vous montrer également comment je me suis maquillée, parce qu'en fait au début je sais pas, en fait je me suis maquillée machinalement et après j'ai réfléchi au fait que j'allais certainement nager, donc que j'allais me démaquiller avant d'aller nager, ce qui est un peu con. Donc du coup je me suis maquillée en fait les yeux. Alors normalement je me maquille vraiment jamais, que ce soit pour bronzer, pour aller à la piscine ou autre, ou au sport, je me maquille pas. Et là en fait je me suis maquillée machinalement, j'ai pas réfléchi. Et donc en fait j'ai mis un trait de liner avec du kohl et du mascara un petit peu. Le teint je le maquille pas depuis quelques semaines voire mois, parce que j'ai bronzé et du coup ben, je me maquille pas quand je bronze. Enfin en ce moment je me maquille pas. Et j'ai mis un rouge à lèvres du coup, puisque j'étais maquillée, je me suis dit bon bah vas-y hein, maquille-toi à fond quoi, je me démaquillerai là-bas. J'ai mis le M20-33-52, enfin je sais pas exactement c'est quoi exactement les références chez Black Up, mais en gros c'est un rose comme ça, hyper flash, et j'en ai plein des comme ça, hein, mais j'aime beaucoup en fait quand il fait beau, je trouve que c'est top. Donc je vais vous montrer ma tenue. J'ai arrangé mon maillot de bain parce que j'ai mon maillot de bain en dessous. Donc j'ai un crop top vertiste. Merde, j'essaye de, désolé, de baisser le truc, le trépied. Ah, voilà. Donc évidemment on voit le maillot de bain au travers, donc c'est pas hyper classe, n'est-ce pas? Mais en fait, regarde, il fait que tomber, c'est horrible. Je vais juste prendre la voiture et je vais à la piscine. Bon, je veux dire, je m'en fous quoi, c'est pas comme si j'allais faire mes courses ou je sais pas, aller à un rendez-vous ou autre avant quoi. Enfin, je vais juste dans ma voiture, donc il y a pas de... c'est pas très grave si on voit le maillot de bain. Donc voilà, le crop top avec la petite poche en simili cuir. Et un short. Alors le short, j'ai même pas regardé d'où il vient. Oh, j'ai maigri, il va un tout petit peu, regardez, un tout petit peu large là, je suis trop contente. Je crois que je l'ai pris chez, en fait je l'ai acheté à Barcelone, ça c'est sûr, parce que je me souviens que je l'ai acheté là-bas, et d'ailleurs vous le voyez pas très bien là, je me souviens que je l'ai acheté là-bas et que je l'ai pas mis de suite, et en fait après je suis rentrée, il faisait pas beau et du coup je le mettais pas à Paris. Et en plus, enfin, c'était pas l'été, c'était au mois de genre mai, c'était la semaine où il y a les ponts là. Donc du coup, bah, je l'ai pas mis du tout en fait, je m'en suis rappelée après, enfin, que je l'avais. Et voilà, donc je me rappelle qu'il vient de Barcelone, bref, tout ça pour dire ça. Et j'ai dû le prendre dans un magasin parce que j'ai acheté que dans les magasins espagnols en fait, pour profiter des prix réduits. C'était pas Zara, ça devait être... je fermais la porte en même temps, super. Ça devait être... je sais pas, peut-être Pull&Bear ou Stradivarius, quelque chose comme ça. Mais bon, je l'ai acheté il y a 2 ans, donc je pense pas que... Je pense pas qu'il y soit, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un verre d'eau. Et c'est vachement la mode du verre d'eau, en fait. Et j'adore cette couleur. Ça tombe bien, ça ressort bien sur mon teint. Donc voilà, donc du coup j'ai mis ça et je trouve que ça fait trop joli. Donc c'est un short qui fait un peu short en jean, mais qui est vraiment pas épais du tout. Et donc il va être top parce que je pense que je vais avoir hyper chaud dans la voiture, même si je vais pas faire une route de fou, c'est toujours sympa. Donc voilà. Après
je vais remonter. Au niveau des pieds, je ne vous ai pas filmé parce que... désolée, c'est pas très droit. Parce que... C'est pas droit, je pense. Je suis désolée. Parce que je vais mettre des tongs noirs. Donc bon, rien de fou. Elles sont pas du tout originales. Elles sont toutes simples, noires. Voilà. J'ai des boucles d'oreilles. Mais je vais les enlever pareil, je pense, là-bas. Parce que sinon, en fait... Parce qu'en fait, là, je vais à la piscine extérieure, ce qui fait que je vais bronzer. Et en fait, si je les enlève pas dès que j'arrive, je risque de les zapper, en fait, de quand je vais aller nager. Du coup, je vais les perdre. Donc, je vais les enlever, je pense, dès que j'arrive, dès que je sors de la voiture, quoi. Voilà, au niveau des cheveux, bah, j'ai rien fait, en fait. C'est-à-dire que ces derniers temps, je ne fais absolument rien, puisque je vais à la salle tous les jours... pratiquement, et du coup ben je les mouille tout le temps, en fait. Quand je suis à la salle, j'y vais, je pars, bon, j'ai pas les cheveux mouillés, j'ai les cheveux secs en règle générale, et j'arrive, forcément je transpire, donc je me mouille les cheveux quand je reviens, ensuite je me douche, enfin quand j'en sors, ensuite je me douche, donc je les remouille, enfin je les mouille tout le temps, et en plus il fait chaud, donc voilà. Donc du coup, ben, perte de temps que de les lisser ou de même reprendre les boucles, je les reprends pas du tout. Là, ils sont hyper naturels, ils sont pas du tout... j'ai grave du mal. Ils sont naturels, quoi. Ils sont pas du tout lissés ou autre. Donc voilà. Eh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est une cassos. Laisse tomber, quoi. Pourtant j'ai assez bien dormi, je me suis réveillée dans la nuit, mais je me suis rendormie après, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis comme tout à l'heure, j'ai renversé tout un tupperware par terre, je sais pas, je suis complètement à l'ouest, donc je pense que une bonne après-midi de repos va me faire du bien. Et voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Ah oui, bah oui, je voulais vous parler vite fait, hein, quand même, du sport, de la reprise du sport, parce que j'en suis trop contente, et si ça peut remotiver des filles, tant mieux. Je vais à la salle et là j'ai des courbatures de ouf, donc j'y suis pas allée aujourd'hui parce que j'avais vraiment hyper mal. Hier j'ai dû faire je sais pas, peut-être 1h20, un truc comme ça, de course. Et du coup, j'ai eu hyper mal au genou, mais genre en rentrant. Alors que normalement, t'as mal le lendemain. Bon, pour les courbatures, là en l'occurrence, c'était les genoux, les articulations. C'est. Voilà, j'ai espéré que ça passe vite. Et en fait, jusqu'à tant que je dorme. J'ai ma braquette ouverte. Jusqu'à tant que je dorme, c'est pas passé. Et du coup. Ben ce matin j'avais plus mal, donc tant mieux, ça c'est une super bonne nouvelle, mais j'ai mal aux fesses et un peu aux cuisses, quoi, mais vraiment vite fait, c'est plus aux fesses, quoi. Donc pas de sport aujourd'hui, dans la mesure où je vais à la piscine, je me suis dit que ce serait mieux pour les articulations, pour éviter de les solliciter davantage, parce qu'hier c'est vrai que j'ai vraiment je boitais et tout, quoi. Donc voilà. Et puis ouais, donc en fait je kiffe trop, je suis complètement accro. Et là même, franchement, de pas y être allée, ça me manque de ouf, quoi. Alors que bon, c'est juste un jour, mais ça me manque grave. C'est un truc de ouf, je suis juste complètement accro maintenant. Donc voilà, et après ça veut pas dire que je mange hyper light ou quoi que ce soit, je mange tout à fait normalement. Mais le sport me fait trop du bien et je l'ai déjà vu sur mon corps et... Et franchement, ça fait trop du bien. Et voilà, c'est ce qui me manquait dans ma vie. Sinon, ma vie va très bien. J'ai pas du tout à me plaindre. Mais c'est vrai que d'avoir repris le sport, c'est juste ce qu'il me fallait. Donc voilà. Donc, celles qui hésitent encore, franchement, boostez-vous, reboostez-vous. Et vous allez voir, après, ça ira tout seul. Vous pourrez plus vous en passer. Voilà, je vais arrêter. En plus, je sais pas quelle heure il est, mais il va falloir que j'y aille. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous profitez bien du soleil, du beau temps et tout. Ah oui, et au niveau du maillot de bain, bon là, je vais pas vous le montrer, mais il est jaune fluo. Donc voilà, je l'aime trop. Je l'ai acheté chez Pimki à Toulon il y a peut-être 2-3 ans, un truc comme ça. Et voilà, je l'aime trop. Bon, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!